mardi 16 novembre, ouverture de la troisième semaine du Black November. Effectivement, j'ai décidé enfin de prendre ma caméra pour ouvrir ce vlog lecture de la troisième semaine du Black November. Bon, je pense que vous l'aurez vu, entendu, je vais beaucoup mieux que la semaine dernière. Je pense que ma voix est un petit peu plus revenue à la normale. J'ai toujours mon oreille bouchée, hein, j'ai toujours l'impression de vivre la moitié de ma tête dans un bocal à poisson, mais bon. J'ai espoir de peut-être réussir à guérir ça dans les semaines qui viennent. Toujours est-il que ça ne m'empêche pas de lire, et fort heureusement. Donc du coup, pendant cette troisième semaine du Black November, nous avons pour consigne de lire un polar, thriller, roman noir, qui soit donc un roman judiciaire et ou un roman tiré d'un fait réel. Et pour ça... en plus de le lire en lecture commune avec Lisa, donc j'essaierai d'ailleurs de vous mettre le lien vers sa chaîne en barre d'infos si je n'oublie pas. Nous avons du coup décidé de lire Prendre Gloria de Marie Neuser aux éditions Pocket. Alors de Marie Neuser, j'ai déjà lu 2 ou 3 autres romans. J'avais surtout lu Prendre Lily, qui est en fait... on va dire le premier tome de cette duologie Prendre femme écrite par Marie Neuser. Il faut savoir que les 2 tomes de cette duologie reviennent, enfin, sont inspirés de véritables faits, de véritables affaires criminelles qui concernent le même tueur, dont d'ailleurs j'avais fait une vidéo dédiée, Il était une fois une histoire vraie, donc j'essaierai de vous mettre le lien si ça peut vous intéresser. Du coup, moi j'avais lu le premier tome qui en fait revenait, on va dire, sur le crime le plus récent de ce tueur, et dans ce second tome on va un petit peu revenir sur la genèse du tueur en question, sur sa vie de jeune adulte et même un petit peu sa jeunesse durant laquelle il a fait du coup sa première victime. Une première victime qui était donc une jeune fille qui a disparu, dirons-nous, dans une église, et dont la disparition va rester un mystère pendant 17 ans. Donc voilà, dès le début, hein, on le sait, en fait le principe de Marie Neuser dans ces 2 tomes, c'est pas de créer du suspense autour du tueur, de savoir qui a fait ça, puisque de toute façon, comme je disais, c'est inspiré de faits réels. Donc on sait parfaitement qui est le responsable, et là encore dès le début on le sait. Finalement, l'intérêt vraiment de ces romans, c'est de voir comment ce tueur a à chaque fois pu, comme une anguille, se soustraire vraiment à la justice, arriver à ne pas se faire choper, et comment, heureusement, au bout de 17 ans, la police a enfin réussi à prouver que c'était lui qui faisait tout ça. Bref, j'avais vraiment adoré le premier tome, j'avais trouvé ça hyper intéressant, même si par moments il y avait eu certaines petites longueurs, et pour l'instant j'aime encore plus finalement ce second tome, parce que justement je ne retrouve pas ces longueurs que j'avais pu avoir par moments dans le premier tome. Là, je trouve qu'on est vraiment sur une écriture hyper agréable, hyper fluide. C'est super bien rythmé. Alors, est-ce que c'est dû au fait que d'un chapitre à l'autre, en fait, on a vraiment des points de vue hyper alternés? On va avoir les pensées parfois du tueur, les pensées de ses parents, les pensées, le travail de la police, d'une amie de Gloria, qui s'appelle d'ailleurs en réalité Elisa. L'auteur a un petit peu modifier tous les noms, que ce soit d'ailleurs les noms des protagonistes ou les noms des lieux, parce que bah, je pense que juridiquement elle était un petit peu obligée de le faire. Donc voilà, et, la véritable victime s'appelle Elisa Platt, il me semble. Là encore, vous retrouverez de toute façon toutes les vraies infos dans ma vidéo. Ici, elle s'appelle Gloria Pratt. Vous voyez, on est un petit peu... Elle est restée vraiment dans, on va dire, dans les mêmes sonorités, mais forcément elle a dû changer un petit peu. Et pourquoi je disais ça? J'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, je disais ça donc parce que l'auteur a vraiment à chaque chapitre alterner les points de vue, alterner aussi les temporalités, puisque on débute avec la découverte du corps 17 ans après, donc on est en 2013, je dirais, je crois qu'elle a disparu. Elle a disparu en 93. Donc si je ne suis pas trop mauvaise en calcul, elle a été, enfin, son corps a été découvert en 2010. Je l'ai toujours dit, hein, je suis beaucoup plus littéraire que mathématicienne. Donc toujours est-il qu'on débute cette histoire avec la découverte du corps en 2010, et puis on va aussi revenir du coup en 93 lorsqu'elle a disparu, et quelques années plus tard durant l'enquête, etc. Donc même si on a des allers-retours et plein de points de vue où ça pourrait peut-être paraître un peu brouillon, et finalement je trouve que l'ensemble fonctionne vraiment bien, crée un certain rythme, donne vraiment envie de, voilà, de poursuivre, d'en apprendre plus. Ouais, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment une franche réussite, alors qu'en plus, je connais déjà l'histoire, que je connais parfaitement le crime qui est à l'origine de ce roman. Donc, pour le coup, je vais être curieuse d'avoir le retour de Lisa, qui ne connaît pas, elle, le fait divers qui est à l'origine. Savoir si elle l'a ressenti comme moi, si le fait de ne pas connaître l'histoire à l'avance lui a peut-être apporté encore autre chose, une autre dimension. Donc je vous en dirai plus à ce sujet lorsqu'on aura débriefé toutes les deux. En attendant, nous sommes donc mardi, j'en suis à la page 122 et franchement j'ai très envie d'y retourner, je vous dis ça se lit très bien. Donc j'ai bon espoir cette semaine pour le coup de le terminer assez rapidement, peut-être assez vite pour en lire un deuxième. Je sais pas, on croise les doigts. Sachant que mes parents viennent nous voir ce week-end et que par conséquent je vais avoir très peu de temps pour lire ce week-end. Rien n'est moins sûr, mais bon, avec un petit peu de chance et un petit peu d'organisation, peut-être, je vous dis, je croise les doigts. En tout cas, voilà, je vous reparle de ça très vite dès que j'ai avancé, mais pour l'instant, cette troisième semaine, ma foi, commence plutôt bien. Et j'espère que c'est aussi le cas de votre côté si vous faites le Black November. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez choisi pour cette troisième semaine, parce que personnellement, ça n'a pas été si simple que ça de trouver dans ma pile à lire des romans judiciaires ou inspirés de faits réels. C'est pas quelque chose que j'avais en nombre. Alors un peu plus les romans tirés de faits réels, mais alors vraiment les romans judiciaires, je trouve que c'est quelque chose qui au premier abord ne m'attire pas du tout. Parce que je crois qu'à part un ou deux Grisham que j'avais trouvé en occasion et que je n'ai toujours pas lu, j'en avais finalement pas d'autres. Je vous attends pour papoter en commentaire et moi je vais de ce pas retourner et terminer de monter le vlog de la semaine précédente que vous aurez du coup déjà vu. Et après ça, si tout va bien, peut-être que je retournerai du coup dans ma lecture. J'espère en tout cas. Je vous retrouve très vite. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 17 novembre, si je ne dis pas de bêtises, devant mon décor habituel. Donc qui dit décor habituel dit tournage de vidéo. J'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas tourné un point lecture ou quelque chose comme ça. Et dans les faits, effectivement, ça fait quand même pas mal de semaines. Donc bon, je vais essayer de bien me réveiller, de reprendre mes bonnes habitudes et... j'espère que ça va aller parce que là, pour le coup, je me sens un petit peu rouillée. Mais nous ne sommes pas là pour parler du point lecture, mais bien pour faire le point des lectures dont je vous parlais dans ce vlog. J'ai donc un petit peu avancé dans Prendre Gloria. J'en suis actuellement à la page 157. Allez, on va dire que j'ai lu un bon tiers. Pour le moment, j'ai pas encore trop eu le temps de faire un petit peu le point et le comparatif avec Lisa, avec qui je lis en lecture commune. Je crois que Lisa n'est pas autant avancée dans la lecture, donc j'ai pas trop non plus envie de la spoiler, mais dès que j'aurai fait un débrief avec elle, j'essaierai de vous faire un petit retour sur nos différents points de vue, parce que comme je l'ai dit, moi je connais l'histoire qui est à l'origine de ce roman et pas elle, donc peut-être que ça va changer des choses au niveau du ressenti de la lecture. Pour ma part, je suis toujours très bien dedans. Si j'avance pas vite, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps à cause du quotidien et du boulot, parce que vraiment j'y retourne avec plaisir. Là où j'en suis, on a commencé aussi à... Enfin, l'auteur a commencé à introduire des points de vue et des témoignages qui vont aussi dans le sens de la dénonciation. On comprend un petit peu pourquoi... cette histoire finalement a mis 17 ans à être résolue. Alors certes, à l'époque, on n'avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, mais il y a aussi franchement eu des loupés humains, on va dire, pour rester poli. Et voilà, je trouve ça toujours autant intéressant, vraiment. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose dans son écriture, je vous dis, même si je connais l'histoire, j'adore, je retourne vraiment bien dedans, je trouve ça assez palpitant. Ouais, j'ai hâte de pouvoir me trouver un petit peu de temps pour y retourner parce que franchement j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment essayer de le terminer rapidement pour potentiellement lire un autre cette semaine dans cette même thématique. Mais bon, je dis, avec le boulot, je suis pas certaine d'y arriver, mais bon, je vais essayer un maximum et dans tous les cas, je vous tiens au courant. Moi, toujours est-il que je vais du coup profiter de cette magnifique journée ensoleillée qui pointe le bout de son nez au milieu du mois de novembre, et c'est tant mieux. Moi, vous le savez, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil, donc là je suis ravie. Je vais donc profiter de ça pour, comme je le disais, vous tourner un petit point lecture qui, je pense, du coup n'arrivera pas tout de suite hein, sur la chaîne, étant donné que durant le mois de novembre c'est place au vlog, mais au moins ce sera dans la boîte et voilà, j'espère que quand il sortira, il vous plaira. Parce que je vous préviens déjà, hein, dedans, il n'y aura pas que des lectures folichonnes, mais il y aura tout de même un très beau coup de cœur et bien sûr, hein, comme pratiquement à chaque point lecture, il y aura du king. Ah oui, vous le savez, ça commence à être une petite signature sur la chaîne. Bon, sur ce, du coup, je me mets à tourner ma vidéo et puis je vous reprends dès que j'ai des choses intéressantes à vous dire, à vous montrer ou autre, comme d'habitude. Et bien sûr, hein, qui dit vlog dit point chaussettes pilou ridicule, hein, comme à peu près à chaque fois que je fais des vlogs. Donc voilà, dans le précédent, j'avais oublié de vous montrer ça, mais voici ma petite percha du jour qui est beaucoup trop agréable et beaucoup trop mignonne, je trouve. Spéciale dédicace à Flowfly. Je le répète, je suis toujours autant jalouse de tes chaussettes pilou la panthère rose. Voilà, c'est dit. Je suis jalousie extrême. Voilà, moi j'en ai des belles aussi, hein, mais j'avoue qu'une petite paire panthère rose... j'aurais pas dit non. Allez, sur ces bêtises, je vous laisse et je vous retrouve bien vite. Ça y est, je vous reviens en ce lundi 22 novembre pour clôturer ce vlog de la troisième semaine du Black November. Oui, je le clôture un lundi alors que nous avons commencé une nouvelle semaine. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme d'habitude et je ne suis pas surprise. Étant donné que, il me semble que je vous l'avais dit, ce week-end mes parents sont venus. Du coup, je me doutais un petit peu que clairement je n'aurais ni l'envie ni le temps de filmer et que j'aurais également beaucoup moins de temps pour lire. Ce qui a, vous l'aurez compris, était le cas. Mais je vous rassure, j'ai quand même eu le temps de terminer Prendre Gloria de Marie Neuser. Donc c'est bon, j'ai validé ma troisième semaine du Black November. Alors oui, hein, en début de semaine, je vous disais que j'avançais hyper bien dans ma lecture et que du coup j'avais bon espoir de pouvoir lire 2 livres durant cette semaine. Mais bah, comme d'habitude, hein, j'ai peut-être été un petit peu trop optimiste. Comme je le disais, j'avançais hyper bien dans ma lecture et Et vraiment, ça se lisait un peu tout seul. Le problème étant que, tout simplement, hein, comme tout le monde ou presque, j'ai une vie à côté, j'ai des impératifs, j'ai le boulot et plein de choses, et accessoirement aussi un petit bout de chou. Tout ça fait que, bon, bah, malgré le fait que ce roman se lisait très bien, j'ai pas pu me dégager assez de temps pour lire un second livre, mais je suis déjà très contente d'avoir eu le temps de terminer celui-ci. Oui, et si je vous prends dans un cadre un petit peu bizarre, pas habituel, c'est juste que je suis dans la chambre de mon fils parce que ça me permet du coup de le surveiller en même temps. Voilà, comme j'ai dit, ici c'est nature confiture, on fait comme on peut. Mais revenons à ce qui vous intéresse, à savoir ce que j'ai donc pensé de Prendre Gloria, que je le rappelle, j'avais du coup lu en lecture commune avec Lisa, qui d'ailleurs a eu le même ressenti de lecture que moi. Alors que, je le rappelle, contrairement à moi, elle n'avait pas lu Prendre Lily, qui est, on va dire, le tome précédent, et qu'elle ne connaissait pas non plus le fait divers à l'origine de ce roman-ci, puisque je le rappelle, donc cette semaine nous devions lire des livres judiciaires et ou inspirés de faits réels, ce qui est le cas pour celui-là. Comme je le disais donc, ça y est, j'ai enfin pris le temps de lire le second tome de la duologie Prendre Femme, écrit donc par Marie Neuser, et je dois reconnaître que pour moi ce second tome est encore plus réussi que le précédent, là où dans Prendre Lily j'avais pu sentir quelques petites longueurs. Dans cette lecture-ci, ça n'a pas du tout été le cas. Je ne me suis pas du tout ennuyée durant ma lecture, quand bien même je connaissais, comme je le disais à l'avance, le fait divers à l'origine de ce roman, et que par conséquent je n'avais pas de surprise possible. Alors oui, peut-être que vers la fin, 40 ou 50 pages de moins auraient été tout aussi agréable, j'ai envie de dire, ou en tout cas ne m'aurait pas dérangé, mais malgré tout, dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, et je retournais surtout vraiment avec envie dans mon roman. Et ça, c'est déjà plutôt un très très bon point. Pour moi, la construction de ce roman apporte un vrai plus, puisque Marie Neuser en fait a fait le choix d'une sorte de patchwork de différents points de vue, de différents protagonistes de cette histoire, et qu'en plus de ça, on a des allers-retours dans le temps. Et si, en théorie, cette construction pourrait donner peut-être l'impression d'un flou pas toujours maîtrisé ni facile à suivre, et eh bien en réalité j'ai trouvé que ça apportait vraiment un plus, parce que ça permet d'avancer dans l'histoire tout en créant une certaine part de suspense et de mystère. En fait, le style de Marie Neuser est un savant mélange entre une écriture journalistique et une plume d'un auteur de thriller, et c'est particulièrement adapté à ce type de roman tiré d'un fait réel. Plus que tiré d'un fait réel, en fait, j'ai vraiment eu le sentiment que l'auteur avait fait un vrai travail d'investigation, parce que, comme je le disais, connaissant la véritable histoire d'Elisa Claps, qui est ici renommée Gloria Pratt, à cause, je pense, de différents droits juridiques ou choses comme ça, je sais qu'elle est restée extrêmement proche de l'affaire. J'ai dit quoi, Elisa Platt? Non, c'est Elisa Claps, je sais plus ce que j'ai dit, mais je crois que je me suis plantée. Bref, donc la véritable victime, dans la réalité, s'appelait donc Elisa Claps. Toujours est-il que donc la partie fictionnelle, en fait, concerne finalement les ressentis et les points de vue très personnels des différents protagonistes, mais je sais que pour tout ce qui est vraiment des faits, on va dire, avancés, et même des déroulés de l'enquête et des choses comme ça, finalement tout est véridique. Je trouve que Marie Neuser a parfaitement su rendre hommage à la famille Pratt, ou la famille Claps dans la vraie vie. Bref, je vais partir sur les noms modifiés du roman, ce sera plus simple pour moi. A donc bien rendu hommage à la famille Pratt, à leur combat pour faire éclater la vérité, à Gloria, et a aussi su dresser un portrait, là encore, très très sensé et vraiment très proche de la réalité de Damiano dans tout ce qu'il a de détraqué et de débectant. Je pense que c'est vraiment les termes appropriés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de retracer finalement cette affaire et le fiasco de l'enquête, elle a également en filigrane dressé le portrait de l'Italie dans ces années 90-2000. Elle y fait aussi une critique assez acerbe, mais juste de la chrétienté, ou plutôt du pouvoir de la chrétienté dans ce pays, de l'omerta qui y règne, des cercles presque mafieux qui gangrènent cette société italienne, et aussi du système judiciaire qui, par conséquent, n'a pas su avoir la neutralité qu'elle est censée justement avoir, en tout cas la neutralité dont elle est vraiment censée faire preuve. Tout au long du roman, elle démontre comment cette disparition aurait pu être résolue 1000 fois avant la découverte du corps, qui, je le rappelle, a quand même eu lieu 17 ans plus tard, et comment finalement les relations et l'argent dans ce pays qu'est l'Italie peut complètement finalement changer des vies. J'ai trouvé que Marie Neuser utilisait un ton particulièrement juste et avait su aussi rythmer son histoire, même si, comme je l'ai dit, un 40-50 pages à la fin en moins ne m'aurait pas forcément dérangé. Il faut savoir aussi que même s'il s'agit d'une duologie, ce roman peut complètement être lu indépendamment du tome précédent. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très fort et très intéressant à la fois, c'est que bien que finalement les deux tomes de la duologie se complètent et se répondent parfaitement, eh bien, finalement, on n'a pas forcément d'ordre de lecture établi et qu'un lecteur peut tout à fait n'en lire qu'un sur les deux sans être gêné à aucun moment. En résumé, donc, je pense que Marie Neuser est tout à fait crédible dans ce type de roman mi-réaliste, mi-fictionnel. Elle sait parfaitement embarquer le lecteur dans cette enquête policière qui pourtant s'est tout de même enlisée pendant presque 2 décennies. Et si j'ai aimé certains romans, pour le coup 100% fictionnels, que j'ai pu lire d'elle, j'ai quand même le sentiment que c'est finalement dans ce genre littéraire qu'elle est peut-être la plus à l'aise, que c'est ce type de récit finalement qui lui correspond le mieux, ou en tout cas c'est dans ce type de récit que personnellement je trouve qu'elle excelle le plus. Bien sûr, vous vous en doutez, ce roman m'a donné envie de continuer de découvrir le reste de la bibliographie de Marie Neuser. Alors je ne sais pas quel sera le prochain titre, je ne sais d'ailleurs pas à quel moment et à quelle occasion j'aurai l'occasion d'en lire un autre d'elle, mais une chose est sûre, c'est que je le ferai avec beaucoup de curiosité et d'envie, parce que vraiment, jusque-là, tout ce qu'elle peut me proposer me correspond assez bien, et celui-ci a vraiment été pour moi un très bon moment de lecture et aussi un très bon moment de partage avec Lisa, mais ça j'en doutais absolument pas. Vous l'aurez donc compris, si vous avez vu les vlogs précédents, pour l'instant mes lectures du Black November vont vraiment un petit peu crescendo. Donc bon, c'est plutôt de bon augure, je l'espère pour la suite, je croise les doigts. Pour l'instant cette 3e lecture est, je pense, la plus réussie que j'ai pu faire. Donc c'est plutôt cool. Comme je le disais, si vous voulez tenter ce roman, sachez que vous n'êtes vraiment pas obligé de lire Prendre Lily avant. D'ailleurs, Lisa n'a jamais lu Prendre Lily et ça ne l'a absolument pas dérangé dans sa lecture. Donc voilà, preuve qu'effectivement, comme je le disais, les deux peuvent se lire complètement séparément. Et presque même, effectivement, moi je recommanderais finalement de commencer par celui-ci, parce que tout d'abord, on revient finalement sur la genèse un petit peu de ce criminel, sur son premier meurtre, sur son adolescence, et oui, j'ai vraiment trouvé que ce tome 2 était quelque part un petit peu plus abordable, moins dense, et ouais, personnellement, si ça vous intéresse, je vous recommanderais peut-être plutôt de commencer par celui-ci, et j'essaierai de remettre le lien pour ceux que ça intéresse vers la vidéo que j'avais fait sur le fait divers qui est à l'origine de ce roman-ci et également de l'histoire dont il est question dans Prendre Lily. C'est donc ainsi du coup que je vais clôturer ce vlog de ma 3e semaine du Black November. Bien sûr, derrière je vais tout simplement rouvrir le vlog de la semaine prochaine, pour laquelle nous devons lire des thrillers polars, romans noirs, faisant partie d'une saga. et pour laquelle du coup je pense que je risque de partir du côté de l'Espagne. Ouais. Ah oui, parce que, je le rappelle aussi, on est censé lire un maximum de livres d'auteurs de nationalités différentes, et du coup pour l'instant nous sommes avec deux Français, puisque Marie Neuser est française tout comme Thierry Jonquet, et un Canadien, puisque la semaine dernière j'ai vu un Patrick Sénécal qui est du coup Canadien. Donc je me dis que la semaine prochaine partir avec une auteure espagnole, d'une, ça me tente énormément, de par l'histoire et le roman, et de deux, ça me permettrait aussi de rajouter une nationalité supplémentaire. Donc bon, je vais encore réfléchir, mais à mon avis, c'est dans cette direction que ça risque de partir. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé ce vlog lecture, j'espère que mes avis, en tout cas mon avis, puisque bon, je n'ai qu'un livre à vous présenter, mais en tout cas j'espère au moins que cet avis vous aura été utile et que la vidéo vous aura aussi peut-être diverti. Et bien sûr j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la suite du Black November. N'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire, d'ailleurs juste laissez un commentaire et un petit pouce levé pour soutenir la chaîne. Et comme d'habitude, bien sûr, je vous quitte en vous souhaitant paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!